Ce lundi 5 décembre, la chaîne C8 diffuse dès 21h20 le film inédit en clair Lucky, sorti dans les salles en février 2020. Au casting, une Corinne Massiero dans un rôle à mille lieues de son répertoire habituel, qui a d'ailleurs effrayé un de ses partenaires de jeu malgré elle sur le tournage. Place au cinéma belge ce lundi 5 décembre sur C8 dès 21h20 avec la diffusion, inédite en clair, du film Lucky d'Olivier Van Hoofstadt. Ce nom vous dit quelque chose? Si est-il normal, il s'agit notamment du réalisateur du culte Deacon Eck, tiré d'un mot typiquement belge et sorti en 2006 avec un casting 4 étoiles. Les spectateurs avaient en effet pu y retrouver Mélanie Laurent, Marion Cotillard, François Damien ou encore Florence Foresti. Lucky, Corinne Massiero dans un rôle de bourgeoise à contre-emploi. Si cette dernière était à nouveau à la distribution de Lucky, OVNI cinématographique dans lequel elle n'a quasiment pas été doublée pour les scènes d'action, une autre comédienne à succès y a fait son apparition, Corinne Massiero, qui a récemment bouleversé les internautes en se livrant sur l'inceste qu'elle a subi. L'actrice, bientôt de retour dans un épisode inédit de Capitaine Marlowe, y joue une certaine Alice Deschamps, que le réalisateur a contre-employé dans un rôle de bourgeoise nymphomane. Qu'elle acceptera avant même d'avoir lu le scénario. C'est sa façon habituelle de procéder, je crois. Je l'ai convaincue en lui parlant du personnage. Les essayages de ces costumes de dominatrice ont été un grand moment, se souvenait Olivier Van Hoofstadt à la sortie du film. Lucky, Corinne Massiero dans la peau d'une prédatrice face à un de ses camarades de jeu et son constat était sans appel, le personnage de Corinne Massiero va très loin, assurait-il. Au point même qu'un des petits camarades de cette femme extraordinaire selon Gérard Darmon aura quelques sueurs froides face à elle sur le tournage. Elle coince en effet dans le film Bilal Chegrani dans son donjon de dominatrice, les rôles sont inversés par rapport au patriarcat traditionnel. C'est elle la prédatrice et le jeune qui est à sa merci. Bilal était pour de vrai effrayé quand on a tourné ça, confie le réalisateur. Mais elle n'est pas la seule comédienne qui aura impressionné le jeune talent, Florence Foresti le laissera également bouche bée durant certaines scènes de violence du film. À lire aussi Lucky, Olivier Van Hoofstadt, je voulais faire un autre OVNI.